Bonjour, Chloé Trespeuch, équipe de France de snowboard cross. J'ai une médaille olympique au dernier JO. Pipo. On est là, bah, bien sûr, pour les enfants de l'ODP, donc les pupilles. C'est une bonne cause, c'est un bel événement, donc on est content d'être ici dans les Vosges. En Corée du Sud, vous y serez ? Oui, bien sûr. Enfin, normalement, si tout se passe bien, objectif... une médaille au prochain JO en Corée du Sud en 2018. Quelles sont les autres échéances avant ça ? Il y a une saison de Coupe du Monde l'année prochaine, donc j'aimerais bien faire une place au classement pour prouver de ma régularité sur la saison. Les championnats du monde aussi l'année prochaine en Espagne et les X Games aux États-Unis. Bon, comment ça se passe là depuis votre arrivée vendredi soir ? Il y a une bonne ambiance dans le groupe là ? Ouais, super ambiance. On a pris un peu de pluie hier, mais bon. Non, on est très contents, il y a une bonne ambiance entre les personnalités, on est super bien accueillis ici au golf, donc que du plaisir. Comment vous trouvez la ville d'Épinal en général, ou le golf, les installations ? Joli golf, pour un golf municipal très joli, et puis oui, on mange en centre-ville, les restaurateurs sont très sympas, on a bien mangé, donc que du bon. Alors vous ? Bonjour, moi c'est Alison Villemann, équipe de France en ski alpin, en descente et en super G. Malheureusement, suite à beaucoup de blessures et de chutes, j'ai dû arrêter ma carrière en fin de saison cette année. Donc voilà, mais je suis très contente d'être ici pour aider les enfants des pupilles et leur apporter un petit peu le soutien qu'on peut leur apporter en tout cas. Et voilà, moi ouais, c'est une cause qui vous sensibilise forcément ? Énormément, c'est une cause qui est très très importante à mes yeux, à nos yeux je pense. Toutes les œuvres caritatives qu'on peut faire sont très importantes. Voilà, je suis très très contente d'être ici et je resterai disponible pour toutes ces œuvres. Vous avez d'autres actions humanitaires auxquelles vous avez participé ou si vous êtes sollicité ? Là on va sur les balles blanches mardi pour les enfants hospitalisés. Voilà, après pas beaucoup encore, mais... Vous donnez de votre temps, vous avez compris l'importance de ces mouvements. Bah, c'est ça, quand on a un peu le temps après la saison, on en profite pour faire des événements comme ça, pour aider comme on peut. Le snowboard cross, à part les JO, est-ce que c'est une discipline qui souffre d'un manque de médiatisation selon vous ? Bah oui, on aimerait bien qu'on soit un peu plus médiatisé en dehors des jeux parce qu'en plus les gens adorent, c'est un sport qui est très télévisuel, qui est accessible pour le grand public parce que c'est une course, donc les gens sont facilement pris dedans. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien que ce soit un peu plus médiatisé, surtout qu'on a une équipe de France qui perf tous les ans, il y a des médailles olympiques tous les 4 ans dans ce sport, donc mais bon, ça évolue et puis voilà, on espère qu'on sera plus médiatisé dans le futur. Il y a beaucoup de surprises hein, lors des épreuves de snowboard cross, la moindre chute et ça bouleverse rapidement les favoris. Bah, c'est ça, l'objectif déjà en border cross, c'est de tenir sur ses jambes jusqu'au bout. Et c'est pas le plus facile parce que les parcours sont dangereux, très techniques. On est 6 dans un parcours où il n'y a pas forcément la place, donc il faut savoir faire sa place, adapter sa trajectoire en fonction des autres. Donc ça fait partie du jeu, la chute. Rappelez-nous votre finale, votre place et comment ça s'est passé. Troisième aux derniers Jeux Olympiques. Un bon départ et quelques erreurs au cours de la course, des chutes sur la fin, donc une course avec beaucoup de rebondissements et une médaille à la fin, donc c'est ce qui compte. Bon, on vous souhaite une bonne fin de séjour dans les Vosges alors. Merci.